Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons voir comment jouer simplement, mais je dirais efficacement, je vais y arriver, la chanson de Leonard Cohen, Alléluia. Donc ça donnera quelque chose à peu près comme ça. Et vous allez voir qu'en fait c'est super simple parce que si vous avez regardé mes tutos précédemment, donc vous savez que le Do est sous les deux notes noires et que les accords, on laisse un espace entre les notes. Donc l'accord de Do, on se met sous les deux notes noires, et là nous allons avoir besoin de, je dirais, 1, 2, 3, 4 accords. De toute façon, les accords, je vous dis, vous laissez une note entre vos doigts. Donc, tout simplement, main gauche, on se met sur le Do, en dessous des deux notes noires. Et la main droite, c'est pareil. On se met sur le Do et on fait l'accord, tout simplement. Donc, ça donne, on joue en même temps. Facile, deux notes noires, on se met dessous. Main gauche, on en joue une. Main droite, on joue l'accord. L'accord, c'est trois notes en même temps. Après, la note de Do. Ça sera la note de La. Donc Do, Si, La. Donc c'est ici. Et on joue à la main droite l'accord de La. On laisse un espace, on laisse un espace. C'est très facile, regardez. Au début, on est sur le Do, on joue l'accord de Do. Après, on est sur le La, on joue sur l'accord de La. On revient sur l'accord de Do. Et après, on ira sur le Fa. Donc le Fa est ici, en dessous des trois notes noires, Fa. Et nous jouons l'accord de Fa avec la main droite. L'accord de Sol. À chaque fois que vous jouez une note de la main gauche, vous jouez l'accord sur la main droite. C'est tout simple. Donc ça donne, après on le reverra encore, mais on se met sur le Do. Et donc sur la main droite, on joue l'accord de Do. De façon approfondie ce morceau, mais c'est tout simple. Dites-vous que quand vous jouez une note de la main gauche, vous jouez la même note de la main droite avec l'accord en laissant toujours un espace. Donc je le refais pour la dernière fois. Je me mets sur le Do, donc la main droite c'est pareil, c'est le Do. Vous pourrez le jouer de façon plus, j'allais dire, avec des arpèges. Il y a plein de possibilités, il y a juste à retenir que quand vous jouez, voilà, le Do de la main gauche, vous jouez le Do de la main droite, vous jouez le La de la main gauche, vous jouez le La de la main droite. Et plus tard, vous allez jouer un Fa, mais vous vous mettez sur la même note et vous laissez un espace. Vous jouez le Fa, le Sol et le Do. Bonne soirée à tous!